je vois un sanglier arriver au loin dans le bois. J'épaule immédiatement avant qu'il puisse m'apercevoir. Sur le plan sécurité, je suis autorisé à tirer devant moi dans le bois, mais j'attends d'apercevoir distinctement sa tête pour lui loger une balle dans le cou. Il longe le bois, je le distingue clairement, c'est un beau mâle. Si tu t'arrêtes, t'es mort. Non, c'est pas vrai. Je ne vois que son cul. Alors toi, t'es un malin et je te souhaite de vivre vieux. En conclusion, bien chasser, c'est aussi garder son sang-froid et ne pas tirer quand, premièrement, on n'a pas identifié l'animal avec certitude. Deuxièmement, trop de végétation risque de dévier la balle ou de la faire expanser avant impact. Troisièmement, l'animal n'est pas de travers ou on n'est pas certain d'atteindre la zone poumon-cœur ou encore mieux, tête-cou. Cinquièmement, le tir n'est pas fichant ou peut poser un problème de sécurité avec les voisins. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ou bien, vous aussi, il vous arrive de ne pas tirer mais pour d'autres raisons? Dites-moi pourquoi. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions ci-dessous. Si vous voulez vous abonner sur YouTube, c'est aussi en dessous et c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un petit j'aime sur vos vidéos préférées en cliquant sur le pouce en l'air. Merci d'avance et à bientôt les amis.